Cette photo, Elon Musk identité, si je regarde sa taille, clic droit propriété, dans les détails, je vois qu'elle fait 179 pixels par 232. Imaginons que je ne veuille pas que l'image fasse plus que 200 pixels en hauteur. À ce moment-là, il va falloir que je la redimensionne. Pour redimensionner une image, on va à nouveau ouvrir l'image avec Paint. Et maintenant, je vais la redimensionner. Donc en fait, vous avez un bouton redimensionner. Par défaut, c'est en pourcentage, je vais m'exprimer en pixels. On voit que on a en vertical 232 pixels. Il suffit de mettre 200 pour que ça recalcule immédiatement la taille horizontale pour garder la proportionnalité. Donc attention, la case à cocher là, doit absolument être cochée, sinon on va déformer l'image. OK, mon image fait à présent 200 pixels de hauteur. Il me reste à la réenregistrer. Je vais juste mettre Elon Musk identité X200. X. Pour rappeler que c'est 200, celle de 200 pixels, le format de 200 pixels, j'enregistre. Je retrouve mon image ici. Si je fais un clic droit propriété, dans les détails, on se retrouve bien avec une image en hauteur qui fait 200 pixels tout juste.